c'est un enjeu pour nous, car notre objectif est d'être la vitrine des plus grands vins du monde. Notre rôle aux achats est de sélectionner, déguster et acheter les plus grands vins du monde. Mais notre métier ne s'arrête pas là. Nous allons aussi jusqu'à la fixation des prix de revente. Aujourd'hui, nous n'avons aucun système, aucun outil qui nous permet de fixer les prix. Nous vendons dans plus de 18 pays, donc cela fait 234 000 références à suivre quasi quotidiennement. La fixation de ces prix nous prend énormément de temps, plus d'un mois et demi en termes de travail. Et nous sommes trois acheteuses au sein de Millésima à fixer ces prix-là. Au niveau du service achat, donc on n'est pas vraiment rentré dans la technicité donc de la mise en place des prix. Nous avons vraiment expliqué nos problématiques et en fait pourquoi nous changeons les prix. Donc par exemple, quelques exemples d'indicateurs que nous utilisons aux achats pour la fixation des prix: accélération, décélération des ventes, note ou renotation d'un critique, épuisement d'un produit sur un ou plusieurs marchés. Talent va nous aider à fixer des prix. Donc, on ne mettra pas directement ces prix, nous les analyserons évidemment en amont, mais il va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs, c'est-à-dire de nous informer s'il y a une accélération des ventes sur certains vins ou une décélération, ce qui va nous permettre tous les jours de pouvoir traiter les vins adéquats. Ben, on va dire qu'on va revenir vraiment, nous, au cœur de notre métier, qui est donc sélectionner, déguster les vins, rencontrer les producteurs, dénicher des nouvelles pépites, obtention évidemment d'allocations rares. Au-delà de la proactivité évidemment que nous recherchons avec talent, ça va être aussi un gain de temps, un gain de marge et une optimisation de notre chiffre d'affaires via les prix de revente.